Et bim, et c'est parti, direction Walkenrad. Oh, 100 km. Youpi! Je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Youpi! Mais je l'ai fait. Allez, en route! Voilà, donc en voiture sur les longs trajets, en général, je danse comme un con sur du Eminem ou alors sur du Taylor Swift. En fait, il y a un seul truc qui me donne envie d'arrêter de chanter et danser, faire le plein d'essence. Putain! Ah ben là, je viens de faire le plein. Non, j'ai pas filmé. Dis, attends, la scène était beaucoup trop violente. En plus, j'avais ni mon poppers ni ma vaseline. Ouh, ça fait mal. Allez, plus que 40 km. Pff, ça va une vitesse. Et voilà, je suis bien arrivé à Walkenrad. Regardez-moi cette jolie salle. Ouhouhou! 580 personnes et c'est complet. Et c'est parti pour le check son. Il y a encore rien du tout. Ça te convient? Ok, là, je veux bien que tu cries un bon coup. Ouais! Pardon. Ouais! C'est magnifique, je veux bien que tu chuchotes un petit peu. C'est-à-dire que ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire ce check son ici à Walkenrad. Recris une fois. Ouais! Ben écoute, je pense qu'on est franchement pas mal. Oui, on est pas mal. Yes! C'est ma loge. PE, c'est moi. Hop là, et dans les loges, un petit magazine. Qui annonce que je suis complet à Wavre le 7 décembre. Si jamais je peux vous conseiller, Virginie Fortin, c'est incroyable. Et ce soir en première partie, avec Emma. C'est tout bon. Ça y est, il y a le public qui rentre. Oh. J'allais boire une bière. Voilà, un petit verre et on est bon pour partir sur scène. Ce soir, j'étais à Walkenrad. Et voilà, c'est terminé. Standing ovation, ambiance de dingue. Voilà, je viens de me changer. Maintenant, direction l'entrée du théâtre pour aller saluer le public. Les gens sont là. Et après avoir salué le public, paf! Une énorme pita avec toute l'équipe du centre culturel. C'était trop bien. C'est parti. Une heure de voiture pour rentrer à la maison. Merci, Walkenrad. Voilà, je suis bien rentré. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Ce soir à Walkenrad, je me suis vraiment régalé. En plus, petite anecdote, après le spectacle, donc j'ai salué le public et j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit « Waouh, c'était trop bien, on s'est éclaté. D'ailleurs, on a vu que tu revenais bientôt en région liégeoise, donc on va reprendre des places pour revenir te voir. » J'avoue, moi, j'étais tout sourire, tout content. Et là, il a ajouté « Par contre, rassure-nous, c'est pas le même spectacle. » Alors, comment dire? Si, en fait, c'est le principe d'une tournée. Alors, si jamais, pour savoir si c'est le même spectacle, il y a des petits indices. Si c'est la même affiche avec le même titre, il y a de fortes chances pour que ce soit en fait le même spectacle. Ne me remerciez pas, c'est pour moi un petit conseil comme ça. Alors, est pas belle la vie? Pour venir me voir en spectacle, toutes les infos sur www.lavieestunefete.be/PE.